et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 15e partie de ma collection de jeux les plus perchés. Alors, on commence directement avec un jeu de Don Miguel Ruiz qui s'appelle donc La maîtrise de l'amour. Donc toujours basé sur les accords Toltec et c'est toujours le même genre de boîte et le même genre de cartes et toujours chez Trédaniel. Toujours une petite carte de présentation, pas de guidebook et donc avec une illustration, le message sur la carte et un message développé au dos de la carte. Donc, je pense qu'il est toujours illustré par... Ah ben écoutez, je ne vois pas. Je pense qu'il est toujours illustré par Janet Mills. C'est même pas noté, en fait. C'est pas noté. Mais je pense parce que... on retrouve tout à fait le style. Donc, voilà. Ça doit être illustré toujours par Janet Mills. Que je retrouve bien le style d'illustration. Donc, je conclue que ça doit être ça. Oups. Il y a une carte qui m'échappe des mains. Voilà. Et donc, on a le message au dos. Voici. Alors, ensuite, l'ange indigo de Dorine Vertue et Charles Vertue. Donc celui-là, je vous l'ai aussi mis dans un autre vlog, je pense, et je l'ai utilisé en guidance, je pense. Donc, Charles Vertue est le fils de Dorine Vertue. Donc, le petit guidebook, comme d'habitude, assez classique. Il est aux éditions Exergue. Il faut vous dire que ces jeux-là, généralement, ils sont parus et chez Ada et chez Exergue. Et donc moi j'ai soit l'édition Ada, soit l'édition Exergue. Ça dépend quand je l'ai acheté et aussi d'occasion ce que j'ai retrouvé. Voici le dos que j'aime beaucoup. Et alors celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les peintures que Charles a réalisées. Je les trouve très jolies. Et vous voyez que, au contraire de certains jeux de Dorine Vertue, vous avez l'illustration qui prend quasiment toute la carte. Bon, il y a un tout petit bord comme ceci et on a le bandeau avec le nom de la carte. Mais en dehors de ça, on profite pleinement des illustrations. Et quand je l'avais vu passer, celui-là, il m'avait vraiment beaucoup plu. Et j'ai eu envie de l'avoir avant... qu'on ne puisse plus trouver que à des prix très 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 élevés. Et donc pour une fois qu'on sait à l'avance que ces jeux-là ne vont pas, normalement ils ne vont pas être réédités, parce que je vous dis, j'ai déjà vu qu'en anglais ils devenaient à des prix très chers, parce que je ne sens plus, puisque Dorine Vertue, je suppose que vous êtes au courant, a arrêté totalement la cartomancie, tout ce qui allait avec tout ça. Donc elle a totalement changé de vie, elle a fait vraiment un virage à 360 degrés, on peut dire, et donc elle n'a pas renouvelé ses contrats avec les éditeurs, au contraire, je pense qu'elle a même essayé de les casser peut-être, mais bon, elle n'a pas pu tout faire comme elle voulait, puisqu'un contrat, quand il est signé, vous ne pouvez pas le casser comme ça. Et je pense que du coup, ils sont arrivés à terme avec les éditeurs anglophones. Et là, comme les contrats sont plus récents avec les éditions françaises, je pense que ça dure encore un moment. Mais ça va s'arrêter, je pense, dans les mois ou les années qui viennent. Donc moi, là, j'ai acheté tous ceux qui m'attiraient de Dorine. Parce que là, on les trouve encore d'occasion, moins cher que le neuf. Et puis après, vous allez les payer 100 € ou 150 euros. Ce n'est pas la peine. Donc, j'ai l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Donc, bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Alors, celui-là, pour tout vous dire, il est impossible à utiliser sans le guidebook si vous voulez vraiment un message. En tout cas, moi, je ne suis pas capable. Donc, c'est un guidebook
d'Alana Fairchild, c'est-à-dire que c'est un véritable roman. Mais bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout, hein, mais je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange, et je peux comprendre, hein, parce que c'est pas un jeu pour avoir un petit message rapide. Par contre, j'adore les illustrations. Donc, voici le dos, déjà qui est magnifique. Déjà, faut dire. Cette illustration comme ça qui prend la place de tout le dos, j'adore. Je vais essayer de voir parce que du coup. Alors, je cherche qui a illustré. C'est encore des anciens oracles où on ne voit pas. Voilà. Zheng Hao. Il faut vraiment chercher pour trouver qui a illustré les jeux. Je trouve ça dommage. Parce que je sais que la plupart d'entre nous. Donc là, on a à propos de l'auteur. Est-ce qu'on a à propos de l'illustrateur? Oui, quand même. À propos de l'artiste. Je trouve ça dommage. Parce que je m'aperçois que la plupart d'entre nous, moi y compris, nous basons d'abord sur l'image pour avoir les messages. Et donc, c'est vraiment dommage. De devoir chercher après le nom d'illustrateur, je trouve. Alors, vous voyez, par contre, moi, les titres des cartes ne me parlent absolument pas. Donc, pour avoir le message dans celui-là, par contre, j'ai vraiment besoin du guidebook. Je vous cache pas. C'est pour ça que je ne m'en suis pas servi beaucoup depuis que je l'ai. Parce que je ne peux pas m'en servir juste avec les cartes, celui-là. Sauf pour les regarder, parce que je trouve que les illustrations sont absolument sublimissimes. Vraiment. J'adore. J'adore, 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 j'adore les illustrations. Mais voilà. Lune de bambou, ça ne me dit rien. Appel de la grue qui danse. Bon, là, je peux peut-être avoir un petit message, mais pourquoi la grue? Fille du phénix, oui, un peu plus, surtout en lien un petit peu avec l'illustration, mais quand même. Je veux dire, j'ai besoin du livre. Mais ce n'est pas une critique, hein. C'est une observation, mais comme ça, vous le saurez. Vous verrez que moi, pour avoir tiré les cartes comme ça, je me trouvais bien perplexe devant ma carte. Par exemple, mer au lotus turquoise. Alors, ouais, et ça veut dire quoi? C'était exactement ça ma réflexion. Alors, je ne vous cache pas que quand vous allez dans le livre, vous avez votre message. Mais bon, il faut aller dans le livre. Donc, si vous n'aimez pas les jeux pour lesquels il faut sortir le bouquin, je ne vous conseille pas de l'acheter. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous dites, waouh, le jeu, je le veux, prenez-le. Après, vous pouvez vous dire aussi, waouh, le jeu, je le veux, et je vais l'utiliser avec le bouquin, tout simplement. Moi, je l'avais acheté au départ parce que il y a eu un moment où l'énergie de Kuan Yin m'attirait beaucoup. Et en fait, elle m'attire encore beaucoup, mais pour le moment, ce n'est pas avec cette énergie que je dois travailler, simplement. Alors, ensuite, un autre de Taurine Virtue qui a fait partie de mes premiers jeux, puisque c'est ce jeu en particulier qui m'a amené à la cartomancie. C'est ce jeu-là que la personne que je suivais sur YouTube à l'époque, et qui n'est pas cartomancien, mais qui canalise des messages, et qui répondait à une question, mais comment avoir des messages de ses guides quand on ne canalise pas, etc., avait dit, ah ben c'est simple, t'achètes un jeu, regarde. Et il avait sorti celui-là. Et tu auras ton message des guides. Et donc il avait justement. Sorti celui sur les maîtres ascensionnés. Et donc, bah, évidemment, mon premier achat était celui-là. Encore avec le petit guidebook habituel. Il est chez Exergue. Et donc, vous avez différents maîtres ascensionnés. Donc, avec chaque fois un petit message. Et puis, il faut aller voir dans le guidebook pour avoir le développement. Bon, après, ça dépend quel genre de questions vous posez, hein, puisque voilà. On vient de voir passer Ganesh avec le 8. Donc, celui-là, on peut déjà l'utiliser un petit peu comme ça, et puis après compléter avec le petit guidebook. Mais il m'a bien intéressé aussi parce que, en fait, moi j'ai découvert des maîtres ascensionnés à ce moment-là avec ce jeu.
des maîtres que je ne connaissais pas. Hein. Je découvrais tout ça à l'époque. Ça fait quelques années que je l'ai, celui-là. Voilà. Donc, je le trouve quand même relativement intéressant. J'aime bien. Vraiment. Donc, celui-là, je le garde. Je l'ai depuis longtemps et je le garde. Ensuite, j'ai l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Carte d'activation de l'âme. Avec un grand guidebook, comme ceci, avec les cartes en couleur en grand. Donc, ça, c'est joli. On a les chakras associés, on a une petite prière, donc qui est plus un mantra ou une affirmation, et on a tout un développement du message. Donc je le trouve très très beau, et néanmoins, je ne pourrais dire pourquoi je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que les cartes sont très belles. J'aime beaucoup. Les messages sont très beaux. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là, je n'ai pas tendance à le sortir. Peut-être parce qu'il est trop bleu. Pourtant, j'aime le bleu. Mais c'est vrai qu'il est très bleu. Je ne sais pas. D'ailleurs, elle en a fait un qui s'appelle le messager bleu, je pense. Et je voulais l'acheter en plus l'autre. Et puis ben, pour le moment, je ne l'achète pas puisque je ne me sers pas de celui-là. Mais à un moment, j'avais l'impression que si j'avais les deux, je m'en servirais et que je m'en servirais ensemble. Donc c'est peut-être ça la clé en fait. C'est que peut-être j'ai besoin des deux pour les utiliser ensemble. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne m'en débarrasse pas quand même. Et il fait partie de ma collection et peut-être que je vais à un moment le ressortir. Ensuite. J'ai l'oracle du chaman mystique. Donc, de Colette Baron Reid, qu'elle a fait en collaboration avec Alberto Villoldo et Marcella Lobos. Donc, c'est une. Comment on enlève encore celui-là? Donc, il y a ça d'abord, et puis encore la grosse boîte. Et puis encore le gros bouquin, comme ceci. Voilà, avec une couverture semi-rigide. Carrément. Donc avec l'illustration en noir et blanc et puis le développement ici, une signification, une interprétation et une stratégie, c'est plutôt dans la situation de blocage. Et puis vous avez encore la boîte ici avec les cartes dedans. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Voici le dos. Mais je pense que je préfère encore le rêve du chaman que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je pense que je vous l'ai montré déjà. Parce que là, je vous les poste quand même dans l'ordre. Mais je l'aime néanmoins beaucoup. Hein. Je le voulais et je ne le regrette pas du tout. Mais je pense que j'ai quand même une petite préférence pour le rêve du chaman. Qui est plus récent. Celui-ci est déjà plus ancien, mais je ne l'avais pas. Je sais pas pourquoi. Mais je ne l'avais pas. Je l'ai acheté ici ben, au printemps en fait. Donc fin du printemps plutôt. Parce que je me rappelle que je l'ai pas mal utilisé. On était déjà l'été, en fait. Donc parce que je me souviens que je l'ai utilisé beaucoup dehors. Donc. Fatalement, je n'ai pas acheté, on va dire, le 1er mars. Hein. Voilà. Donc, l'oracle du chaman mystique. Et donc, il est chez Vega. Et je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Ensuite, alors, celui-là, par contre, c'est un jeu, je pense qu'on ne le trouve plus. Les cartes de l'ascension. Accélérez votre périple vers la lumière de Diana Cooper. Donc, je l'ai acheté d'occasion. Un guide de 80 pages et un jeu de 52 cartes. Ce sont toujours des gros coffrets. Prennent beaucoup de place. Alors, le guidebook n'est pas très épais. Et néanmoins, c'est une mine d'informations
sur un petit peu les sujets spirituels et ésotériques, sur les archanges, sur les maîtres ascensionnés, sur les rayons, sur les anges, sur les grandes prêtresses, vous voyez. En fait, ce n'est pas le détail des cartes dans le guidebook. Ce sont des informations sur le reste et c'est bien fait, je trouve, parce que il n'y a pas trop à lire, mais vous avez quand même déjà une première info et libre à vous de creuser après. Mais c'est j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le dos est comme ceci et donc vous avez le message directement sur les cartes. C'est donc pas un jeu qui est fait pour se plonger dans l'illustration. Mais vous avez, voilà, par exemple, vous avez le message de Jésus, vous avez des infos, vous avez un message et vous avez encore une affirmation dessous. Et si vous voulez aller voir, il y a encore des infos un petit peu dans le guidebook. Voilà, notamment par exemple sur les différentes flammes, sur les différents rayons, ben, sur les maîtres aussi ascensionnés. Et je dois dire que je l'ai utilisé. Donc vraiment au niveau de la spiritualité, en demandant où j'en étais, à quelle étape j'en étais, etc. Et c'était vraiment, mais vraiment pertinent. Les messages que j'ai eus, je me suis dit, ah ben oui, mais effectivement, c'est vrai, j'en suis là. J'en suis là. Ça correspondait totalement à, si vous voulez, à l'endroit de mon évolution, quoi. Là où j'en étais dans mon évolution. Donc, un jeu très. Ça, c'est un des plus perchés, hein, par contre. Celui-là, vraiment très, très, très perché, celui-ci. Voilà. Alors, ben, je m'aperçois que j'ai encore un peu de temps. Donc, j'en prends un autre. Alors, on va prendre celui-ci. L'oracle de la lumière blanche d'Alain Fairchild. Et donc, qui a été illustré par Andrew Gonzalez. Alors, celui-là, je l'avais déjà vu en anglais. Et les illustrations. Mon Dieu, ça m'a fait un effet. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, parce que justement, ils le trouvent trop blanc. Il y en a qui ne l'aiment pas, parce qu'ils trouvent que le guidebook est trop. Voilà. C'est un roman. C'est Alana Fairchild. Mais il est basé sur les fréquences. Donc, déjà, ça, c'est intéressant, je trouve. Moi qui, à la base, suis musicienne, ça me parle pas mal. Et puis, je trouve que bah, c'est même celui qui n'est pas nécessairement musicien, c'est intéressant parce que. On n'a pas tellement d'oracles qui nous ramènent aux fréquences en fait. Hein. Et je l'ai testé, les messages sont sublimes et ils tombent parfaitement juste. Et moi, alors les illustrations, je suis mais en amour, en amour. Alors, on a des tranches argentées mat, donc c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est argenté, même un peu un gris, on ne le voit pas trop sur la vidéo, mais c'est un gris, même un peu un gris beige, mais mat. C'est très joli. Et alors, il est assez uniforme dans les couleurs, bien entendu. Et moi, je suis tombée en amour avec ces illustrations-là. Réellement. En plus, le toucher, j'adore, vous entendez? Les cartes, elles chantent. Et je l'ai acheté, c'est assez comique parce que j'ai acheté ce jeu aussi au printemps. Celui-là qu'on voyait dans le guidebook. Elle est magnifique, cette carte. C'est une époque où j'ai acheté plusieurs jeux dont les cartes chantent comme ça. C'était assez comique, en fait. Voilà. Donc évidemment, les cartes ne parlent pas nécessairement beaucoup non plus. Il faut aller dans le guidebook avec Alana. À part peut-être les rebelles sacrés, qui peut parler un peu plus en dehors du guidebook. C'est vrai que celui-ci, alors regardez le dos, ce loup est magnifique. Ce loup est magnifique. Je trouve ces cartes magnifiques. Et c'est un oracle que je vais beaucoup utiliser ici pendant l'hiver. Je vais laisser sortir.
Je l'avais laissé dans les jeux à la présenter justement dans mes jeux perchés, mais là je vais le mettre avec les autres jeux que je vais utiliser pendant l'hiver parce que je trouve que ce sont des couleurs, c'est une couleur qui me rappelle quand il y a de la neige en fait. Et donc j'aime bien de tirer ce genre de jeu en hiver. Donc celui-là, je me le laisse sorti. Et on en arrive à 20 minutes, donc je vais la clôturer, donc la 15e partie ici. N'hésitez pas à liker, à commenter pour ce que vous voulez, hein, pour me dire les jeux que vous avez déjà, les jeux qui vous ont intéressé, si vous voulez une précision sur un jeu, enfin, tout ce qui vous vient en tête. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Parce que ben, j'ai une plus grande visibilité si j'ai plus d'abonnés. C'est juste pour ça, parce que bon, je ne fais pas la course aux abonnements. Hein. Mais je me dis que ma chaîne sera plus diffusée et que donc les personnes pourront la trouver plus facilement. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.